Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on a eu une grosse news il y a quelques jours sur la suite de Demon Slayer en anime et ça concerne la date de sortie de la saison 2. Je vous détaille tout ça juste après l'opening à deviner dans les commentaires. Je vous dis à tout de suite, bonne chance. Il y a quelques mois, durant l'event pour célébrer les 2 ans de Demon Slayer en anime, on a appris la production d'une seconde saison, nommée Kimetsu no Yaiba Yūkakuhen, qui adaptera l'arc du District Rouge. Et sur le site officiel, on a eu droit à un premier visuel où on voit Tengen Uzui, un des 9 piliers, et on a eu aussi un premier trailer. Concernant la date de sortie, on nous avait dit que la saison est prévue pour courant 2021, mais on n'avait pas eu plus de précisions. Mais il y a quelques jours, la date de sortie a fuité sur le site nommé Yahoo News Japan. Alors écoutez bien, selon ce site, la saison 2 de Demon Slayer serait diffusée en automne 2021, c'est-à-dire en octobre. Oui, on devrait avoir la suite en octobre 2021. La saison sera diffusée sur Fuji TV au lieu de Tokyo MX au Japon. Et si vous vous demandez ça change quoi d'avoir une autre chaîne, bah en fait la chaîne pourrait demander que la saison contienne moins de violence ou moins d'épisodes. Mais je fais confiance à Ufotable pour garder la même approche que la saison 1 et le film et de ne pas faire l'erreur de censurer la saison 2. Bon, je reçois beaucoup cette question donc je vais y répondre aussi. La saison 2 est la suite directe du film Demon Slayer Le Train de l'Infini, donc voici l'ordre de visionnage à suivre. Regardez la saison 1, puis le film et ensuite enchaînez avec la saison 2. Donc il faut absolument regarder le film car il adapte un arc entier du manga. D'ailleurs, n'hésitez pas à me balancer votre avis sur le film dans les commentaires, je compte faire d'autres vidéos là-dessus prochainement. Je vais finir avec un court synopsis de la saison 2. Tanjiro, Inosuke et Zenitsu accompagnent Tengen, le pilier du sang, pour aller en mission à Yoshiwara afin de l'aider à retrouver ses épouses disparues qui enquêtaient sur les rumeurs de démons présents dans le district. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est une news qui a fuité et qu'il faut attendre l'annonce officielle pour que ce soit confirmé. Mais dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre mon labo. Le Twitter et le Discord sont en description. Moi je vous dis à très très bientôt et que la paix soit sur vous. Hello, Psy, Kankuro.